drone limits. Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout abonnez, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant. Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage. Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent. Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas. À la fin, priez le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée. Il y aura la suite. Vous en saurez plus tard. Bon visionnage à tous. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt sur Nuance Reborn. C'est parti. Bon visionnage à tous. Au cours de ma visite, beaucoup d'esprits impurs se firent connaître à moi et m'expliquèrent pourquoi ils avaient échoué dans leur mission sur terre. Beaucoup de ces esprits sont envoyés par le diable dans un corps de chair, né de femmes normales, surtout les femmes qui cherchent à avoir des enfants auprès des guérisseurs ou d'autres satanistes. Satan accorde de nombreux dons à ses enfants, qui accomplissent des missions diverses. Certains sont musiciens. Satan sait très bien que les chansons ou les disques que va produire son envoyé venu en chair vont attirer à lui des millions de gens, qui n'auront ainsi plus le temps de penser à Dieu. Même des chrétiens seront attirés par ces mélodies, et ils auront des cœurs partagés. Toujours dans le domaine de la musique, les laboratoires de Satan produisent des instruments de musique sur lesquels on place un magnétisme, ou une puissance occulte, et qui sont destinés aux églises du monde entier. D'autres démons venus en chair ont pour mission de diriger certains pays chrétiens comme président de la République. Je connais ainsi plus de 6 présidents dans le monde, qui venaient de temps en temps rendre compte de leurs activités à Satan. Ils me connaissaient parfaitement bien, leurs missions sont différentes. Certains doivent persécuter les chrétiens dans les pays qu'ils gouvernent, d'autres cherchent à entraîner les chefs d'État d'autres pays qui ont été placés à ces postes par Dieu. Ces présidents démoniaques favorisent l'entrée des sectes sataniques dans leur pays, ils distribuent des postes importants de leur gouvernement à d'autres satanistes ou démons venus en chair qui se trouvent dans leur pays. Par leurs relations amicales, ils favorisent aussi l'entrée des satanistes dans les gouvernements d'autres pays amis, tout ceci pour renverser les gouvernements véritablement instaurés par Dieu dans ces pays. Ces démons venus en chair ont un corps parfaitement humain, ils ont une progression rapide sur le plan intellectuel, ils sont doués pour percer largement dans tous les domaines, ils peuvent très bien se marier et avoir des enfants, mais ces enfants sont tous des démons. De tels êtres peuvent vivre avec des êtres humains normaux pendant des années, sans que ceux-ci réalisent le moins du monde à qui ils ont affaire. Même des sorciers peuvent ne pas les identifier, car ce sont des êtres tellement supérieurs qu'il leur est facile de maîtriser et d'éblouir leur entourage. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie n'est que le stade initial des activités du monde des ténèbres. D'autres démons sont même envoyés dans les églises chrétiennes comme prêtres, pasteurs, ou autres ministères selon le plan de Satan. D'autres démons venus en chair sont envoyés dans les grandes institutions financières du monde, qui sont toutes gouvernées en secret par le diable. Les imprimeries qui impriment les billets de banque sont toutes sous la domination du diable. Tous les billets de banque imprimés dans le monde passent dans le temple de Satan, pour qu'on y attache une puissance occulte avant de les mettre en circulation. Cette puissance est la luxure, qui pousse certains à tuer ou à vendre leur mère, leur épouse, leur mari, leurs enfants, et toute leur famille, pour de l'argent. Cette puissance occulte de luxure pousse les hommes à envier toujours plus les richesses de ce monde. Elle pousse même des chrétiens à abandonner Jésus-Christ. Cette puissance retient le monde entier sous la puissance du malin. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas soumis à cette puissance occulte. Ceux qui se disent enfants de Dieu et qui ont l'amour de l'argent, ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Dans Jean 3:3, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Les démons qui sont envoyés en chair comme prêtres ou pasteurs ont pour mission de détruire les églises, en rendant la parole de Dieu faible et inefficace. Ils entraînent même des enfants de Dieu dans de faux enseignements. Ils ont la mission de créer des écoles de théologie, pour former des serviteurs de Dieu sans aucune puissance divine. Leur enseignement est diffusé actuellement dans le monde entier. Depuis des centaines d'années, l'homme est tombé dans le piège du diable qui lui a donné la capacité d'analyser la parole de Dieu selon les pensées que le diable lui injecte. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui enseigne selon le Seigneur. C'est Jésus qui l'a dit à ses apôtres, mais le Consolateur,
L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Lisez donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vous parle, et le Saint-Esprit qui vous enseignera et vous rappellera tout ce que le Seigneur vous a dit dans la Bible. Et l'apôtre Paul a dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Wow. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Non, ce n'est pas vrai.